Allô tout le monde, fait que bienvenue dans un nouveau vlog, le vlogtop jour 10 je pense. On est lundi de l'Action-de-Grâce, fait que je suis vraiment contente d'être en congé avec mon chum. Les deux on est comme en congé, fait que ça fait vraiment du bien. On a eu une fin de semaine de 3 jours ensemble. Ça a vraiment fait du bien de se voir, ben de se voir, parce qu'on dirait que la semaine, la routine pis tout ça va tellement vite que, en tout cas, fait que ça fait du bien de se retrouver un petit peu. On n'a pas fait grand-chose, mais t'sais, on a fait, t'sais, on a écouté nos émissions, on est allé souper chez ma mère samedi, on a fait un peu on a fait un peu de, voyons, on a fait un peu de ménage, puis tout ça, en tout cas, fait que ça fait vraiment du bien quand même de nous retrouver un petit peu. Fait que là, on est au Tim Hortons, mon chum il est parti chercher des Timbits, il voulait des Timbits. Fait qu'il est allé chercher ça avec, évidemment, des cartes d'hockey. J'ai dû assez hâte que ça termine, les cartes d'hockey, mais bon, c'est son petit plaisir, fait que je laisse. Mais je laisse, comme si genre je l'empêchais, mais en tout cas. Fait que c'est ça. Puis on est allé aussi au... On est allé au... Oh, t'as acheté la grosse boîte. Ouais. Puis on est allé... En tout cas, on se reparle tantôt. Bon, fait que là, on vient de finir de dîner. Je vous ai pas montré parce que j'avais comme trop faim. Fait que j'ai comme mangé tout ça. Puis on a mangé vraiment beaucoup trop de Timbits. Juliana aussi a mangé des Timbits. Elle aime vraiment ça. Je viens de donner comme un et demi. Puis j'ai donné celui-là qui a comme rien là, qui a pas de sucre dessus. Là, genre, je sais pas comment dire, là, mais c'est qu'il y a vraiment rien. Là. Fait que c'est ça qu'elle mange. Elle a bien aimé ça. Alors, finalement, elle a mangé la sandwich au poulet. J'étais pas sûre si elle allait manger de la sandwich au poulet. Mais elle en a mangé. Fait que je suis contente. Fait que c'est ça. Fait que on est allé, quand je vous ai montré, genre 3-4 secondes. On est allé au. Juliana. On est allé au. À l'aubainerie. Mon chum, il y a des funérailles de son côté. Puis il avait besoin de vêtements pour. Comme un chandail propre. Fait qu'il est allé s'acheter ça. Moi, c'est cher. Ça lui a coûté genre 50$, en tout cas. Mais bon, c'est la vie. Fait que c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'on vient d'aller faire, je veux dire. Fait que là, moi, je vais aller laver Juliana. Je vais aller la coucher. Puis, pas la laver genre dans le bain, mais la laver genre, elle est vraiment sale de bouffe. Genre, pour ça, je vais aller la coucher. Puis, moi, je vais vous dire, je vais vous parler de mes chaînes YouTube préférées. Je vais faire ça tout de suite après, pendant qu'elle va dormir. Fait que ça va être juste parfait. Je vais aller dans la chambre des filles vous dire ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, je vais aller m'occuper de ma petite cocotte. Puis, je vais vous reparler tantôt. Bon, fait que là, je suis en chambre des filles. Puis, je voulais vous dire les chaînes que... mes chaînes YouTube préférées. Fait que, dans le fond, j'aime vraiment ça. Juste comme partager les chaînes. Puis, qu'on puisse, tu sais, pas s'entraider, mais se découvrir vraiment à travers d'autres personnes. Tu sais, des fois, ça l'aide les plus petites chaînes à tu sais, on s'entend, j'ai pas beaucoup d'abonnés, là, mais je veux dire, ça l'aide les personnes qui en ont besoin à des fois se faire découvrir, puis ben, ceux que tout le monde connaît, évidemment, ben, tu sais, tout le monde les connaît, mais je voulais vraiment vous partager, moi, mes chaînes préférées, puis préférées, voyons, j'ai comme manqué on un peu de voix, puis c'est ça. Fait que si jamais vous avez d'autres chaînes, tu sais, que ceux que je vais vous dire, juste me le dire en commentaire, puis moi je vais pouvoir aller voir. Là, comme je vous dis, c'est vraiment juste mes préférés, mais tu sais, j'en suis d'autres. C'est juste que les autres, je les ai pas écrits parce qu'à un moment donné, il fallait comme que je fasse des choix parce que je peux pas non plus en avoir 55, tu sais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ceux-là, c'est vraiment les vidéos que je skip pas puis que j'écoute vraiment toutes les vidéos de ces personnes-là. Fait que si jamais vous les écoutez, vous aussi, juste me dire dans les commentaires. J'aime toujours ça savoir. Tu sais, si jamais vous écoutez les mêmes choses que moi, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai séparé ça en trois catégories des chaînes de YouTube divertissement.
des chaînes YouTube de vlog et des chaînes YouTube de podcasts parce que j'aime vraiment écouter des podcasts aussi. Fait que c'est ça. Donc, on va commencer par les divertissements. je vais vous mettre ici à l'écran, dans le fond, des petits screenshots des chaînes YouTube pour que vous voyez, dans le fond, c'est quelle chaîne pour que vous vous trouvez plus facilement, pour que vous allez les trouver plus facilement. C'est ça. Fait que dans le fond, la première chaîne YouTube que j'aime vraiment beaucoup, c'est Cassandra Bouchard. Bouchard, voyons. Là, en passant, je manque un peu de voix, j'ai comme un petit rhume, une petite grippe, là, fait que ça se peut que, genre, des fois, je manque de voix un peu, mais tu sais, c'est pas grave, en tout cas. Fait que Cassandra Bouchard, dans le fond, là, on est dans la catégorie divertissement. Donc, Cassandra Bouchard, je l'adore, cette fille-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une de mes youtubeuses préférées. J'écoute toutes ses vidéos. C'est souvent des vidéos de friperies, dans le fond. Elle fait plein de concepts avec les friperies. Tu sais, mettons, j'achète des vêtements à ma mère en friperie. Là, dernièrement, c'était ça, ses vidéos, puis des affaires de même. J'achète des vêtements à mon chum en friperie. Mon chum m'achète des vêtements en friperie, tu sais, des affaires de même. Puis elle a aussi des vidéos de manger comme des combinaisons de bouffe étrange, tout ça. J'aime vraiment ça, écouter ça. Fait que, elle a fait ça aussi il y a pas longtemps. Je pense que c'est une combinaison de femmes enceintes, les combinaisons de bouffe étranges de femmes enceintes. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Fait que si jamais vous la connaissez pas, Cassandra Bouchard, je l'aime vraiment beaucoup. Après ça, deuxième pot, elle a fait vraiment beaucoup de trucs de rénovation, de décoration, plein de trucs de merde. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Si jamais vous allez la voir. Après ça, Claudie Mercier, elle n'en met plus autant depuis qu'elle a une chaîne de podcast, mais elle en met quand même parfois. Fait que c'est des petites vidéos, pas des petites vidéos, mais des vidéos un peu comme Cassandra Bouchard, mais pas des linges en friperie, là. T'sais, elle a fait vraiment de tout, là. Je trouve vraiment qu'elle fait de tout. Autant des vidéos de combinaisons de bouffe étranges ou t'sais, d'autres affaires, là. Mais en tout cas, elle en fait vraiment de toutes sortes. J'aime vraiment beaucoup la suivre. Après ça, Gabrielle Marion. Gabrielle Marion, c'est vraiment une personne... regarde, je l'aime vraiment, cette fille-là. Elle a des fois... Elle parle un peu de... Parce que c'est une femme transgenre, fait qu'elle parle un peu de son processus par moment. Après ça, elle fait des vidéos de... Un peu de n'importe quoi, là. De... Autant de maquillage, de chit-chat, de... Des fois, de trucs de bouffe aussi. Elle a déjà fait des mukbangs. Des affaires de merde, fait que je l'aime vraiment beaucoup cette fille-là. Après ça, Gurki. Gurki, c'est vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'abonnés, ceux-là, fait que ça me surprendrait que vous le connaissez pas. Mais c'est un garçon qui fait des vidéos beaucoup de bouffe, de nourriture. Puis il essaie plein de trucs, mettons, essayer de faire des. Tu sais, mettons, avec, je sais pas moi, une machine à café, ben il va faire plein d'affaires. Tu sais, genre des affaires que. Tu ne peux pas vraiment reproduire à la maison parce que des fois ça peut être ben, pas dangereux là, mais tu sais que c'est pas conseillé de faire, mais lui il va le faire tu comme pour faire des expériences. Fait que c'est vraiment vraiment le fun. Je l'aime vraiment beaucoup ce gars-là. J'écoute vraiment presque toutes ses vidéos. Fait que c'est ça. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, la famille Ventura, je l'ai mis dans la famille. Tu sais, elle fait des vlogs, mais ils font plus des vidéos divertissement, je trouve. Puis ils sont vraiment, vraiment intenses là, comme. Comme les choix de vidéos sont vraiment insane là, pour de vrai, c'est vraiment une autre catégorie de... Comment je pourrais dire ça? Ils travaillent vraiment très fort pour trouver des vidéos que genre personne fait ou que presque personne fait. Puis c'est vraiment, vraiment toujours très le fun. Désolée. Donc c'est vraiment toujours très le fun. Les vidéos qu'ils font, là, c'est des sujets des fois que j'ai jamais fait à nulle part là. Fait que c'est vraiment vraiment le fun. Ils font beaucoup de 24 heures. Je sais pas moi. Dernièrement, c'était les enfants sont des adultes pendant 24 heures. Puis là, ils font toutes des affaires d'adultes. Fait que en tout cas, c'est vraiment du divertissement, je trouve. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, Victoria Charlton, elle, c'est. Je sais pas si je dis son famille comme il faut, mais en tout cas. Elle a fait beaucoup de vidéos de true crime. De meurtre, de. Je sais pas moi, de tueur en série, des trucs de même un peu dark. Fait que moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Écouter ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai écouté la série Dahmer, là, que tout le monde écoute. Fait que en tout cas, ça vous.
un peu dans la catégorie-là, j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai mis dans le divertissement parce que je trouve que ça fait vraiment partie de ça. Mais c'est ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup écouter ces vidéos. Ensuite, la dernière personne dans le divertissement que j'aime vraiment beaucoup et que je vais vous partager, c'est Rémi Desgagnés. Je l'aime vraiment, ce gars-là. C'est n'importe quoi comme genre. Je voudrais tellement être son ami. C'est un garçon. Un garçon. C'est un gars qui fait. Maintenant, il fait juste ou presque des Truth or Drink. Truth or Drink. En tout cas, avec les personnes qui sont éliminées des télé-réalités comme Big Brother, Occupation Double, L de l'Amour, puis des affaires de mer. Fait que c'est vraiment un gars qui fait vraiment. Avant, il faisait d'autres vidéos, mais je pense que c'est vraiment plus ça qu'il fait maintenant, des Truth or Drink. Fait que. Là, riez pas de moi quand je dis ça. Ok, je suis vraiment pas très bonne. Des Truth or Drink, en tout cas. Tu réponds ou tu bois. Fait que. Tu dis la vérité ou tu bois. Fait que, en tout cas. Il est vraiment, vraiment le fun. Si jamais vous voulez aller le voir, dans le fond, c'est vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis il fait aussi d'autres vidéos comme vos pires histoires de date, des affaires de même, là. Fait que, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est pour divertissement. Ensuite, dans les podcasts, là, j'ai tout écrit sur ma feuille ici, là. Je sais pas si je vous l'avais dit, là, mais je filme avec mon sel, fait que je pouvais pas le mettre dessus, l'écrire dessus, mais bon. Fait que ma deuxième catégorie, c'est les podcasts. Moi, j'adore les podcasts. J'ai découvert ça peut-être, ça fait peut-être un an et demi, un an. Pendant la pandémie, là, vraiment, je pense que j'écoutais pas ça avant. Peut-être 2 ans. Ouais, peut-être 2 ans. Il me semble que ça a passé vite, mais en tout cas, peut-être 2 ans que j'en écoute. Puis j'aime vraiment ça. Quand que je travaillais à mon autre travail, on pouvait avoir comme des écouteurs dans les oreilles toute la journée. Puis j'écoutais des podcasts toute la journée. Maintenant, depuis que je travaille en garderie, j'en écoute pas évidemment. Mais j'aime vraiment ça, en écouter. Tu sais, mettons, le matin quand je me prépare, quand que je plie du linge, tu sais, des affaires de même. J'aime vraiment ça écouter ça. Puis tu sais. Des fois, je l'écoute, tu sais, séparé, pas tout en même temps. Fait que, pas tout d'une shot, je veux dire. Fait que, c'est ça. Fait que, premièrement, évidemment, vous devez sûrement connaître Sexe Oral, podcast. Fait que, c'est vraiment mes préférés. Lisa Nadeau et Docteur.G. Fait que, je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment des sujets qui parlent de la sexualité. Des fois, c'est des sujets de. C'est pas tant nécessairement la sexualité, mais comme ça englobe toujours un peu le sexe, la sexualité. C'est vraiment, vraiment le fun. On apprend beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses en écoutant leur podcast. Fait que si jamais vous voulez écouter ça, c'est Sexe Oral, le podcast. C'est vraiment très bon. Puis vous allez capoter, je suis sûre, à 100%. Il y a tellement de sujets que comme on n'entend pas partout, ils ont des invités qui sont incroyables. C'est fou. Je les aime vraiment beaucoup. Ensuite, prends un break. C'est vraiment pas mon genre d'habitude. Vous savez, c'est comme pas tant. Ben, vous savez. C'est pas mon genre d'habitude, mais je les aime vraiment, ces gars-là. C'est comme 3 gars. GNT Production, le beau-frère qui l'appelle, l'autre. Puis l'autre gars, c'est. En tout cas, je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. Je m'en rappelle plus. Mais je les aime vraiment, ces gars-là. Puis ça fait pas longtemps, là, ça fait peut-être 6 mois qu'ils ont parti leur podcast. Puis je les aime vraiment beaucoup. Ils ont des invités tout le temps incroyables. Je trouve c'est fou des fois, là. Leurs invités, je suis comme, voyons comment ils ont fait pour. Tu sais, ils ont déjà eu. Qui ont eu déjà? Ben, Hélène Boudreau. Mais Hélène Boudreau, elle a commencé à en faire pas mal. Là. Mais en tout cas, ils ont eu plein de personnes. Jesse Jones. Après ça, ils ont eu Arnaud Soli. En tout cas, beaucoup de monde qui écoute ça, qui ont eu, voyons, ils ont reçu beaucoup de gens que j'aime vraiment. Fait que c'est ça puis que j'ai appris aussi que je connaissais pas. Fait que, en tout cas, fait que je les aime vraiment beaucoup. Prends un break. Ensuite, Perception Podcast. Ça, c'est Claudie Mercier qui fait ça. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est la saison 2 maintenant qui est en ligne. Ben, qui est en train de se faire diffuser en ce moment. En train de se faire diffuser. Est-ce que ça se dit? Je sais pas. Mais qui est en train de se diffuser en ce moment, je sais pas comment dire. Alors, ça a vraiment beaucoup de gens qu'on connaît pas. Tu sais, c'est pas des gens qu'on connaît,
Puis c'est des sujets vraiment intéressants. On en apprend vraiment beaucoup sur plein de sortes de maladies, des trucs, tu sais, sur l'infertilité, n'importe quoi. Pour vrai, j'ai vraiment, vraiment aimé tous les podcasts qu'elle a fait avec, tu sais, la réalité d'un gars en chaise roulante, d'une personne en chaise roulante, n'importe quoi, c'est vraiment le fun. Fait que si jamais vous ne la connaissez pas, allez écouter Perception Podcast. J'aime vraiment ces podcasts. Ils sont incroyables. Après ça, le dernier podcast que j'écoute, la dernière chaîne de podcast, c'est Chiller chez Boulay. Dans le fond, c'est Étienne Boulay qui fait ça. Je les aime vraiment beaucoup, ces podcasts à lui aussi. Je trouve qu'il pose des questions que les gens ne posent pas d'habitude. Il pose vraiment des questions que les gens ne posent pas d'habitude. Fait que je les aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment les podcasts que j'écoute pas mal. C'est ça. Ensuite, ma dernière catégorie, c'est eux que j'ai le plus de monde, c'est les catégories vlog, parce que j'écoute vraiment beaucoup de vlogs, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Fait que je vais vous les dire, mais comme je vais pas parler 3 heures de chaque personne, parce que j'en ai comme 15, là. Fait que je vais vous les dire vraiment plus rapidement. Donc, dans le fond, premièrement, j'ai Sarahie Vlog. Je sais qu'elle écoute mes vlogs, fait que peut-être qu'elle va voir ça. Ben, probablement qu'elle va voir ça, mais en tout cas. Fait que Sarahie, je l'aime vraiment beaucoup. J'aimerais tellement ça. Genre, on est quand même loin là, de ce que je pense de où est-ce qu'elle habite. On est quand même loin l'une de l'autre, mais j'en pourrais là, genre, j'irais boire un café avec elle, genre. Mais je bois pas de café, là, mais genre, je boirais au pire un thé, là, n'importe quoi. Mais tu sais, je l'aime vraiment beaucoup, cette fille-là. Je trouve vraiment que elle a l'air d'une bonne personne, elle est toute douce, toute fine, tu sais, je pense que elle a l'air vraiment drôle aussi. Je trouve qu'elle a l'air vraiment d'une bonne personne. Fait que Sarah-Yves Vlog, si jamais, vous pouvez aller la suivre. C'est vraiment une belle, belle, belle personne. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Fait que Sarah-Yves Vlog, si jamais, allez la suivre. Vous allez vraiment l'aimer, c'est sûr à 100%. Après ça, les vlogs de Chloé, elle aussi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment. Dans le fond, Sarahi, juste avant, juste 2 petites minutes. Sarahi, c'est une maman de 2 enfants. Fait qu'elle fait des vlogs avec sa famille. Dans le fond, elle fait des activités, puis tout ça. Puis c'est vraiment une maman cool pour de vrai. Je trouve que elle transmet tellement des belles valeurs à ses enfants. Puis je trouve que le plus important, c'est vraiment, je sais pas, tout l'amour qu'elle leur porte. Là, je trouve ça juste trop beau. Puis aussi, elle se donne vraiment à 100%. Genre, pour vrai, là, je l'admire à 100% côté maman. Là, je veux. Si je pourrais être le corps de la maman qu'elle est pour ses enfants, genre, pour vrai, je capoterais. Ensuite, c'est ça, les vlogs de Chloé. Ça, c'est une fille qui habite à Québec. Puis dans le fond, il arrive toujours plein de péripéties. C'est tellement drôle. Là, pour de vrai, ça n'a pas d'allure. Tout y arrive à cette fille-là. Ça n'a juste pas de bon sens. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Fait que si jamais vous voulez aller voir ses vlogs, c'est ça. Il arrive plein de péripéties. C'est une fille qui approche la trentaine, je pense. Puis il arrive plein d'affaires, là, en tout cas. Fait que jamais vous pouvez aller la suivre. C'est les vlogs de Chloé. C'est pas les vlogs, mais les vlogs, en tout cas. Ensuite, dans la vie d'Amy, vlog. Fait que elle, c'est vraiment une fille. C'est une fille, je crois, de Sept-Îles, si je me souviens bien. C'est une maman aussi. Elle a 2 enfants. Dernièrement, elle fait moins de vlogs, là, mais je sais qu'elle va recommencer prochainement. Elle a dit que dans son dernier vlog, qu'elle voulait en refaire plus régulièrement. C'est une maman de 2 enfants. Puis elle filme vraiment son quotidien. Aucun tabou avec cette fille-là. C'est vraiment, vraiment fou. Des fois, elle dit des affaires. Pas que genre moi j'aurais pas dit, là, mais dans le sens, elle dit des affaires que comme c'est vraiment des sujets tabous. Puis que je suis comme on pourrait-tu juste en parler comme elle? Ça serait tellement plus simple. Puis tu sais, c'est tout. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Ensuite, Eve Martel, probablement que vous la connaissez déjà. Mais je l'aime vraiment beaucoup, cette femme-là. Elle est vraiment. Je trouve qu'elle est douce. Quand je l'écoute, elle m'apaise. Tu sais, elle a aucun malice. Elle est vraiment juste trop gentille, je trouve. Puis, je trouve qu'elle a beaucoup de respect envers tous ses abonnés. Genre, je sais pas comment dire. Je l'aime vraiment beaucoup, cette femme-là. Elle fait des vlogs de pas mal de toutes. Ben, dans le fond, elle fait beaucoup le vlogtube, le vlogmas. Fait que c'est ça. Fait qu'elle se donne vraiment beaucoup pour son travail. Puis je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est ça. Fait qu'elle fait des vidéos, elle se donne vraiment là. Comme ses vlogs sont vraiment hot. Puis toujours plein de trucs. Fait que plein de trucs. Oui, d'accord. Plein de
tu sais, de déco, puis tout ça, de la bouffe. Est vraiment le fun, cette ferme-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Jenny and Bud Vlog. Ça, c'est un couple qui faisait des vlogs ensemble. Je dis qu'ils faisaient parce que je pense que Bud, justement, le gars, il a arrêté d'en faire, mais tu sais, il apparaît des fois dans ses vlogs. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Ils font un peu de rénovation, des affaires de mère. Elle a fait de la peinture. Ils font des hauls Costco. Fait que, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que si jamais, allez voir ceux-là. Johnny and Boyfriend. Je sais qu'elle écoute des fois mes vidéos. Fait que, allô, si jamais tu passes par ici. Je l'aime vraiment beaucoup. Ils sont vraiment drôles. Je les trouve vraiment drôles, là, pour de vrai. Son chum, il me fait vraiment rire. Puis elle, Johnny, aime vraiment, vraiment. Elle a l'air vraiment fine. Pour vrai, je serais amie avec elle, elle aussi. Je trouve vraiment qu'elle a l'air d'une personne profondément gentille. Et c'est ça. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle aussi, elle se donne tellement pour ses vlogs, comme les prises de vue. Des fois, je suis comme, wow, pour vrai. Puis tu sais, elle se casse pas la tête. Elle parle des sujets sans tabou, elle aussi. Puis j'aime vraiment ça. Elle vient d'avoir un petit garçon, fait que si jamais vous voulez aller voir son début de vie de maman, ben c'est ça. Fait qu'elle est la voir, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Karen Vlog. Excusez. Karen Vlog, ça c'est une maman de quatre enfants avec son mari. Elle fait des vlogs de famille, fait que c'est vraiment une fille, sûrement vous la connaissez. Mais Karen Vlog est vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, je la suis comme depuis 10 ans. Je l'ai vraiment vue, elle était comme. Avant d'être maman, puis là, elle est rendue à quatre enfants, là. Fait que, on a toutes vu son évolution. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle a filmé de tout, des hauls Costco, des unboxings de colis. Elle a aussi sa vie de famille, ses activités. Moi, j'aime vraiment ça, la suivre dans toutes ses activités, là, les voyages qu'elle fait, puis tout ça. Je l'aime vraiment. C'est vraiment une belle personne aussi. Ensuite, tu sais, quand je dis que j'allais pas passer 3 heures par personne, c'est pas mal ça que je fais, mais en tout cas, c'est pas grave. Regarde. Ceux qui veulent m'entendre parler vont m'entendre longtemps, mais ça va être ça. Ensuite, la prochaine, c'est Kim Demers. Kim Demers, c'est vraiment. C'est fou, cette femme-là. Elle fait tellement d'affaires. Je suis comme. Je serais même pas capable de faire la moitié de tout ce qu'elle fait. Désolée. Elle a comme 3 entreprises. Elle est maman de 2 garçons. Elle est enceinte d'un autre garçon. Fait qu'elle va avoir 3 enfants, elle a plein, genre 3 ou 4 entreprises. Elle sauve des animaux, là, ça a juste pas de bon sens, tous les animaux qu'elle sauve dans la vie. Genre, elle trouve des animaux partout, puis elle les amène chez elle, puis comme elle les rétablit, elle les amène au vétérinaire, elle leur fait plein de soins. Elle est vraiment dévouée pour les animaux, c'est fou. Elle est dévouée pour sa famille. Elle est vraiment, vraiment le fun. Elle fait des vlogs de famille. Elle parle de ses entreprises, de bouffe. Je l'aime vraiment beaucoup, elle aussi. Ensuite, Charlotte Leduc Dupuis, elle, c'est une maman d'un garçon. Elle fait des vlogs de famille, d'activités aussi. Vraiment de la vie de tous les jours. Elle, puis son garçon, puis ma fille, ils ont comme 5-6 jours de différence. Fait que c'est le fun de suivre, dans le fond, l'évolution de ma fille comparée à son garçon. Pas de comparer les deux enfants parce qu'on peut pas comparer des enfants, là, mais dans le sens, tu sais, de suivre, dans le fond, tu sais, ils ont leur fête d'1 an en même temps, tu sais, leur premier Noël, tu sais, des enfants dans la même ville. Fait qu'on a tous vécu ça pas mal en même temps. Fait que j'aimais ça voir ça dans ces vlogs depuis que j'ai ma fille, dans le fond. Fait que c'est pas mal ça. Ensuite, Laurence Jones. Laurence Jones a fait beaucoup de vlogs de Old Costco, je trouve. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Elle parle vraiment de la. Tu sais, la femme est belle dans toutes ses formes. Peu importe la grosseur que t'as, peu importe la grandeur que t'as, peu importe qui que t'es. Comme, j'ai l'impression qu'elle, même pas dans ses vlogs, mais comme, même sur Instagram, j'ai l'impression qu'elle parle beaucoup de. Tu sais, de confiance en soi. De qu'on est juste comme belle comme qu'on est, fait que je l'aime vraiment beaucoup ça, tu sais, puis c'est une femme qui est comme un peu taille plus, mais comme début taille plus là, je trouve pas qu'elle est très 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 taille, ben extra taille plus là, puis je la trouve tellement belle là, c'est fou comme elle est belle, j'aime tellement ses cheveux en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup, fait que elle aussi c'est une jeune maman, sa fille elle est un peu plus jeune que la mienne va avoir 1 an, puis je pense qu'elle a comme 9-10
7, 8, 9 mois, là, en tout cas, la fin de même. Fait que, c'est ça. Fait que vous pouvez aller la suivre. Elle a 3 chiens, un chum, puis c'est ça. Fait qu'elle nous montre des fois des rénaux, elle nous montre des hauls d'épicerie, elle nous montre des activités, elle nous montre des unboxings, plein d'affaires de mère, fait que je l'aime vraiment. Ensuite, les vlogs dans mode maman. Ça, c'est une maman de 6 enfants qui nous parle de tout et de rien. Puis, juste ses vlogs sont juste tellement bons. Peu importe qu'est-ce qu'elle parle, pour de vrai, je le fais juste comme je l'aime, c'est tout. Genre, je l'aime vraiment. Elle est vraiment beaucoup dans ce moment, elle est dans une phase qu'elle veut vraiment essayer d'être la meilleure personne. Pas la meilleure personne, mais la meilleure version d'elle-même. Puis elle parle de des trucs des fois à faire pour être la meilleure version de nous-mêmes. Puis pour de vrai, genre j'aime vraiment ça, ça me fait comme réfléchir sur ma personne. Puis j'aime vraiment ça savoir, t'sais, ces petits trucs-là. Puis de voir aussi que, genre c'est une vraiment incroyable maman. Être maman de 6 enfants, c'est pas facile, c'est sûr. Puis elle a goal ça, là. Elle est vraiment bonne, mais tu sais, elle dit aussi que des fois c'est pas facile. Puis on voit vraiment, genre, elle est énormément transparente, fait que tu vois exactement ce que t'as à voir par rapport à la vie d'une famille. Fait que j'en aime vraiment beaucoup. Ensuite, Marc-Antoine Cyr, ça c'est un garçon qui est à l'université, puis que, en tout cas, il est toujours à l'école, là. Ce gars-là, il adore l'école. Mais, c'est ça. Fait que, il fait des vlogs de sa 6 semaines, il monte la bouffe, il monte des bouts de 6 semaines, puis, tu sais, il voit des amis, puis tout ça, en tout cas. Je l'aime vraiment, c'est un... Il fait aussi des vidéos de commande à l'auto, de, mettons, vos drinks préférés. J'aurais pu même le mettre dans divertissement, lui aussi, à cause de ça. Mais bon, vos drinks préférés, mettons, au Starbucks, tu sais, des affaires de merde, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait quand même un bon 4 ans, 3-4 ans, depuis ses débuts, là, que je l'écoute, là, fait que, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Mégane Renaud. Elle a fait vraiment de tout sur sa chaîne. Il y a des podcasts, il y a des vlogs. C'est une maman de 2 enfants. Elle vient juste d'accoucher, fait que on la suit dans son rôle de maman. Puis on la suit dans son rôle d'entrepreneur. Elle a une compagnie pour elle, à elle. Fait que c'est ça. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis elle me fait vraiment rire. Elle a l'air vraiment drôle. Elle aussi, je serais vraiment amie avec elle, genre dans la vraie vie. Là. Fait que c'est ça. Fait que Mégane Renaud. Ensuite, Sacha Alexis, c'est une maman qui va bientôt être maman de 4 enfants en 4 ans. C'est fou cette femme-là, comment qu'elle est... Genre, son chum, il est tout le temps parti parce qu'il travaille, il a une compagnie, fait qu'il travaille comme à l'extérieur. Ben, je pense, en tout cas, de ce que j'ai compris. Fait qu'elle est souvent comme solo mom, puis elle a comme eu, elle va avoir comme 4 enfants en 4 ans. C'est fou, genre, je capote. Puis, elle a de gauche ça, là, il y en a pas de problème. C'est sûr qu'elle m'en est... Comme tout le monde, il arrive des moments plus difficiles, mais elle nous montre ses journées, comment qu'elle gole ça, puis tout. Puis pour de vrai, je l'admire énormément. Puis j'aime vraiment ça écouter ses vlogs. Fait que j'ai hâte de voir son 4e petit garçon. Ben là, elle va avoir 2 garçons, 2 filles, là, mais son 4e enfant qui va être un petit garçon, j'ai vraiment hâte de la suivre dans son nouveau rôle, dans son rôle de maman 4 fois. Ça va être vraiment, vraiment le fun. Ensuite, les vlogs de Caroline. Ça, c'est une maman qui a accouché comme un mois après moi. Fait que c'est une maman d'un garçon. Elle a fait des vlogs de tout, vraiment, de toute sa famille. Elle a fait beaucoup de rénaux. Là, elle s'est acheté une maison. Fait qu'ils font des rénaux dans leur maison un petit peu par petit peu. Après ça, c'est une professeure. Fait qu'elle a fait. C'est une enseignante. Fait qu'elle fait, elle fait des fois des. Elle parle un peu des fois de l'enseignement. Après ça, il y a aussi. Il y a aussi des bouts de. Voyons. Des bouts de vlog de son garçon, tu sais, des activités et tout ça. Fait que, en tout cas, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les vlogs de Gabrielle, c'est une maman de quatre enfants, 3 garçons, 1 fille. Elle parle vraiment des sujets sans tabou, puis je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle dit comme ce qu'est, ce que c'est. Genre, elle va pas inventer des affaires. Ben, pas inventer des affaires, mais comment je pourrais dire ça? Elle dit vraiment ce qu'elle a à dire, puis comme, que tu le veuilles ou non, c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça que j'aime d'une personne, c'est tu penses comme ça, puis tes valeurs sont comme ça, puis genre, tu sais, t'es comme ça. Fait qu'en tout cas, je sais pas si c'est clair. Mais bon, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les vlogs de Vanessa, une maman de 2 garçons. Fait que, comme vous voyez, je suis beaucoup de maman, mais j'aime vraiment ça, tu sais, c'est
je suis dans ça moi aussi, fait que c'est comme, j'aime ça suivre ça. Suivre ça, fait que c'est une maman de deux garçons, maman à la maison. Donc, elle nous montre des vlogs, des hauls, des moments avec ses garçons. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, les vlogs d'Annick, c'est une maman. Pas une maman. Qu'est-ce que je dis là? C'est une fille qui habite au Nouveau-Brunswick. Puis, elle nous montre des bouts de sa vie, évidemment. C'est vraiment une personne que j'aimerais vraiment rencontrer, mais on est vraiment beaucoup trop loin. Fait que. C'est ça. Fait qu'elle aussi, elle écoute mes vlogs, je pense. Ben, pas je pense, mais je sais qu'elle écoute mes vlogs. Fait que si jamais tu passes par ici, allô. Puis, c'est ça. Fait que les vlogs d'Annick, vous pouvez aller la voir si jamais. J'aime vraiment ça la suivre. Elle aussi, elle est entrepreneur. Fait que, en tout cas, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Puis, la dernière personne, c'est Tania Bossé. C'est une maman de une fille. Elle vient juste d'être maman en même temps que moi, presque. Sa fille, elle est née au mois de décembre. Fait que nos enfants ont comme 2 mois de différence. Fait que on a comme été. On s'est comme suivis sur Instagram. Les deux, quand on essayait de tomber enceinte, puis on réussissait pas. Ça, je vais vous en parler si jamais ça vous intéresse dans un prochain vlog, une prochaine vidéo. Dans le fond, j'ai eu des problèmes d'infertilité pour avoir ma fille. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus, puis tout ça, je pourrais vous raconter mon histoire avec l'infertilité. Puis, c'est ça. Fait qu'on se suivait, moi puis elle, puis les deux, on est tombés enceintes comme à 2 mois d'intervalle par insémination. Fait que, en tout cas, fait que c'est vraiment le fun. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que si jamais vous voulez aller la suivre, vous pouvez aller la suivre. Je suis sûre que vous allez pas être déçus. Fait que c'est pas mal ça. Là, ça fait vraiment beaucoup trop longtemps que je vous parle. Ça fait 28 minutes. Mais je voulais vraiment toutes vous mentionner ces chaînes-là parce que c'est vraiment les chaînes que j'écoute tout le temps. Puis que j'avais vraiment le goût de partager leurs chaînes pour que vous les faire découvrir. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez, ceux qui se sont rendus jusqu'ici, vous êtes vraiment bons. Puis si jamais vous avez des chaînes, vous, que j'ai pas nommées, juste me le dire dans les commentaires. Je vais vous dire, je vais pouvoir aller. On va pouvoir tout le monde aller les voir, puis aller voir si jamais il y avait d'autres chaînes qu'on connaissait pas, que je connaissais pas. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais vous laisser, puis on va se reparler probablement demain. Bon matin, on est mardi. Mardi le 11 octobre, je pense. Donc, bienvenue dans un. Ben, pas dans un nouveau vlog, parce que j'avais déjà parti mon vlog hier. Mais regardez ce matin. Il fait très froid. Je vais devoir partir le chauffage. Oups. Je vais devoir partir le chauffage. J'espère que ça va être pas trop long. Moi, je connais pas tant ma voiture, tu sais, l'hiver, parce que je l'ai achetée au mois de juin, je pense. Fait que je connais pas, tu sais, ma voiture l'hiver, est-ce qu'elle chauffe vite? Est-ce que. Tu sais, je sais pas. Ouais, fait que en passant, j'adore ma nouvelle voiture. Ça fait bientôt 6 mois, peut-être. Juin, juillet, août. Juin, juillet, août, septembre, octobre. Ça fait comme 5 mois que je l'ai. Puis pour de vrai, je l'aime vraiment beaucoup. Là, je sais pas trop comment ça marche, là. C'est ça. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est ça. Là, ce que je voulais vous dire, pendant que j'attends que ça se défroste un peu. Hier, j'ai écouté Indéfendable avec mon chum. On a commencé finalement parce que je voulais pas que ça prenne comme. Tu sais, que j'attende que la fin de stat arrive pour recommencer genre Indéfendable. Il y avait déjà comme 16 épisodes. Ah ben ça va quand même vite. Il y a déjà défrost. Bah, tant mieux. Super. Mon autre char, là, j'avais une Nissan Versa. Je l'avais pas vraiment choisi, là. Mais tu sais, j'étais allée avec les moyens que j'avais dans ce temps-là. Fait que l'autre voiture que j'avais, la Nissan, ça prenait comme 3 heures à dégeler, là. Pour le reste, c'était vraiment long. En tout cas. Mais tu sais, c'est sûr que là, il était pas gelé en 100%, là. C'était comme juste un petit défrost, là. Mais en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que hier, on a commencé Indéfendable, mon chum.
Honnêtement, je sais, tu sais, je comprends, genre, le monde aime vraiment ça. Puis le trois quarts des avis que j'avais, c'était indéfendable, c'est vraiment meilleur. Moi, je dirais honnêtement que j'aime plus le jeu d'acteur. Ben, le jeu d'acteur, on dit ça de même. J'aime mieux les acteurs de stats. Je trouve que c'est vraiment meilleur. Mais je comprends le genre de. Tu sais, stats, c'est comme plus irréaliste. Mais indéfendable, ça a l'air un petit peu plus réaliste que stats. Fait que. Mais mettons que tu me dirais, genre, t'as juste le choix d'en écouter une sur les deux, je choisirais stats. En tout cas, je suis rendue à l'épisode genre 5, là. Fait que, tu sais, peut-être que ça va devenir. Pas plus bon, mais ouais. Peut-être que je vais plus accrocher, je veux dire. Mais pour le. Oh non, je vais retourner à l'autre. Pour le moment, je suis plus une fille de stats. Mais, tu sais, je sais que c'est pas réaliste, là, qu'est-ce qui se passe dans stats. Mais, tu sais, je trouve juste que c'est un bon divertissement. Tandis que. Indéfendable, je trouve un peu que. Ben, pour l'instant, j'aime moins, genre, le sujet, mettons. Mais, tu sais, je sais, j'ai l'impression que c'est une émission que, genre, avec le temps, là, que je vais aimer, là, pis tout, pis que je vais m'accrocher vraiment au personnage. Pour l'instant, comme je vous dis, on est à l'épisode 5, pis j'ai pas encore accroché à 100%, mais, tu sais, on l'écoute quand même. Puis on aime ça, là. Tu sais, je dis pas que j'aime pas ça, là. Je dis juste que si j'avais à choisir entre Stat et Indéfendable, je prendrais Stat en ce moment même, là. En ce moment que je vous parle. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Là, hier, je vous ai filmé un bout de vlog qui était énormément long, genre 25 minutes. Mais tu sais, il va être dans ce vlog-là, dans le fond. Fait que si jamais vous êtes encore là, bravo. Mais comme, je sais que c'est vraiment très long. Dans le fond, je voulais vous parler vraiment des chaînes que j'aimais. Fait que, on a fait le tour. Puis là, ben, aujourd'hui, je vais pas vraiment vous filmer parce que justement, je voulais faire. Tu sais, je fais un vlog sur 2 jours pour le Vlogtop. Fait que je veux pas comme faire un vlog de non plus 55 minutes. Fait que après ce clip-là, moi, je vais vous fermer le vlog parce que je pense que c'est bien en masse. Puis là, vu qu'en plus, c'est le Vlogtop, on a comme beaucoup de vlogs à écouter. Fait que je veux pas non plus que ça prenne toute votre après-vous. Tu sais, que genre. Je veux que le monde écoute quand même le mien, même s'il est long, là, tu sais. Fait que, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais travailler. Juliana a fait une méga belle nuit. Ben, elle s'est réveillée juste une fois, mais elle s'est rendormie presque immédiatement. Mais tu sais, d'habitude, le matin, quand je me prépare, je fais vraiment pas beaucoup de bruit parce que je veux pas qu'elle se réveille, genre, avant que j'aie fini, comme, de me maquiller, me faire mes cheveux, quand je me prépare vraiment au complet, là. Je veux qu'elle se réveille, comme, juste quand que tout est fait, puis que j'ai le temps de m'habiller, puis tout ça. Puis en même temps, ben, ça lui permet de faire plus de dodo, tu sais. Mais finalement, souvent, elle se réveille comme pendant que je suis en train de me maquiller ou, tu sais, des affaires de même. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu le temps de me maquiller, j'ai eu le temps de me faire les cheveux, j'ai eu le temps de préparer nos déjeuners. Puis, tu sais, c'était comme du yogourt, des fruits, des céréales. Fait que, tu sais, j'ai pas, c'était pas des affaires chaudes. Fait que, tu sais, je pouvais en masse le laisser sur la table pendant que je la préparais, tu sais, que je l'habillais puis tout, que je changeais la couche puis tout. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, en tout cas, fait que quand je me suis maquillée, parce que moi, je me maquille comme dans mon lit, là, j'aime vraiment ça, je sais pas si je vous l'avais déjà dit. Fait que, tu sais, ouvrir mon tiroir pour prendre mon maquillage, habituellement, elle se réveille. Mais là, elle s'est même pas réveillée, elle s'est réveillée, il était comme, honnêtement, là, d'habitude, elle se réveille à comme 7h, 7h15, puis des fois même 6h30, tu sais. Mais là, elle s'est pas réveillée à cette heure-là. Ok, ouais. Oh, fuck. Mais là, elle s'est pas réveillée à cette heure-là. Elle s'est réveillée, il était comme 7h40, là. Fait qu'on s'est dépêché pour manger. Ben, on s'est pas dépêché, là. Ça a quand même bien été. Mais, tu sais, d'habitude, il faut comme se dépêcher. Puis là, ben, tu sais, j'étais correcte. Fait que, en tout cas. Fait que là, le chum à ma mère, il est là, en tout cas. J'espère. Fait que là, je pouvais pas rentrer comme me parquer dans. Dans le parking comme j'aurais fait, mais bon, ça va être ici, je vais me parquer ici, ça va être bien correct.
Bon, fait que c'est ça. Fait que moi, je vais vous laisser. Puis, on va faire, je vais fermer le vlog sur ça pour pas que ça soit trop long, même si c'est déjà assez long, merci. Puis, on va se reparler dans un prochain vlog.